Maliko, Mazoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo très importante. Parce que hier, j'ai vraiment pris le temps et la peine de regarder deux émissions. Donc j'ai regardé la Gazette du Fennec parce qu'il y a eu le. Ils ont parlé dans l'émission C'est vous l'expert avec Yanis Hamesh, donc le joueur de Boavista. Et aussi, il y a une émission qui se fait sur Internet. J'ai oublié le nom de l'émission d'ailleurs. Et c'est dans le 93, donc le département d'Aris Belkebla. Donc c'était à son retour du Zimbabwe, juste avant de rejoindre son club de Brest. Donc là, on va parler de Belkebla. Donc Belkebla, voilà, on le connaît tous. On connaît sa carrière, donc il a joué à Tours, actuellement il est à Brest, il a été à Valenciennes aussi, et bien sûr quand il a commencé dans son département, donc dans sa ville d'Aubervilliers. Par la suite il a essayé d'être à Reims, mais bon ça n'a pas abouti, donc par la suite il a préféré Valenciennes que Boulogne-sur-Mer, notamment pour les installations concernant... L'endroit où il allait s'entraîner, où il allait jouer. On va dire que voilà, il y avait plus de garanties. Et par la suite, bien sûr, il y a eu l'offre de Tours en Ligue 2. Et voilà, ça s'est enchaîné par la suite. Donc, comme quoi, des fois, il y a certains détails. Donc ça, il l'a expliqué dans l'émission. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette émission. Il y a des éléments qui font que des fois, une carrière, ça se joue à rien. Tu peux chuter, ne pas réussir ou réussir. Et comme dit, lui, son mental, c'est un mental de guerrier. Il lâche pas. Quand tu grandis comme ça dans une banlieue, notamment en région parisienne, la vie, elle n'est pas facile. On va pas se le cacher, hein, c'est normal. Bon, dans les quartiers en général, c'est comme ça, mais surtout dans les grandes villes. Et malgré tout, il s'est accroché. Il s'est accroché à son rêve de devenir joueur professionnel. Et d'ailleurs, il a parlé de cet épisode entre parenthèses malheureux pour lui, voilà, ce qui s'est passé au Qatar lors de la préparation de l'équipe d'Algérie pour la CAN 2019. Et bon, il a expliqué qu'il était rentré seul en avion, que des amis à lui l'attendaient à l'aéroport, qu'il n'est même pas rentré chez lui parce que son père ne voulait pas lui parler. Hein, il essayait de joindre son père pendant plusieurs semaines, il lui parlait pas. Et quand sa mère a su qu'il était rentré, bah, elle lui a dit de venir à la maison. Mais bon, je sais très bien qu'il n'avait pas la tête. Voilà, c'est le moral, il devait être à zéro à ce moment-là. Il était déçu de lui-même, déçu pour ses parents, déçu pour le peuple algérien. Mais malgré tout, il a expliqué que le peuple algérien, voilà, ils n'ont pas tenu rigueur par rapport à ça. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde, hein. C'était rien. Voilà, c'est des erreurs de jeunesse. Voilà. C'était un petit délire entre potes, sauf que malheureusement, c'était filmé. Donc, voilà. C'est des choses qui arrivent après. Voilà. Mais il a toujours espéré. Hein. Il a toujours espéré revenir en équipe nationale très vite. Et d'ailleurs, il est revenu quand? Il est revenu contre la Zambie au mois de novembre. Donc. 3 mois à peu près après le sacre en Égypte. Et on l'a vu dans ses matchs, dès qu'il est revenu, il a assuré. Franchement, pour moi, avec Abid, il a créé. Franchement, c'était un très beau duo au milieu de terrain. Franchement, contre le Nigeria, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était super intéressant. Ce qui est sûr, c'est que des moments comme ça l'a hyper motivé. C'est pour montrer à certains joueurs que des fois, même quand tu es dans un moment difficile, faut jamais lâcher l'affaire. Et lui, voilà, sa fierté, son mental d'acier, son mental de guerrier, il n'a pas lâché l'affaire. Et sincèrement, il va nous apporter et beaucoup nous aider au milieu de terrain. Je vous l'assure. En tout cas, nous, on compte sur lui. Franchement, je vous invite vraiment à aller regarder l'émission. Je crois qu'ils l'ont passé aussi sur la Gazette du Fennec, mais c'était avec un média local du 93. Donc voilà. Donc force à toi, Aris Belkebla, force à tous les Algériens du 93, à tous les Algériens de France, à tous les Algériens du monde entier. Et quand vous avez des ambitions,
Donnez-vous à 200% pour ne rien regretter, quoi qu'il arrive. Ne lâchez jamais l'affaire. Voilà. C'était mon message. Force à vous la famille. Salam alaikum.